matin. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Avec le bœuf, mon bonnet, j'ai une coupe de cheveux d'affreux. Je suis au Family Mart. Il faut que je me dépêche un petit peu. J'ai beaucoup parlé au propriétaire de l'Airbnb où je suis, qui est extrêmement sympa. Je vous en parlerai peut-être plus un peu plus tard. Un endroit que je vous inviterai à visiter. J'irai au restaurant, je pense, ce soir. Là, j'avais pas trop de temps. J'ai plein d'adresses à essayer autour. J'ai bien fait de prendre 3-4 nuits ici. Je sais toujours pas combien de jours. Jusqu'au 19, là, on est 15. J'ai essayé de prendre un ramen un petit peu premium. Là, c'était 300 yens premium, entre guillemets. C'est du 2 euros et quelques. Ça a l'air très bon. J'ai juste essayé ça pour voir si effectivement c'est aussi bon que ce que ça paraît. Effectivement, le bouillon est très très bon. C'est un petit peu gras. Ça va être assez calorique. Parfait pour ce que je suis censé faire, parce que avant qu'on y aille, oui, il y a pas mal de nuages qui sort là-bas, qui quittent de derrière les montagnes. Bah en fait, c'est pas des nuages. Mais je vous laisserai découvrir un petit peu ce que c'est. Juste après moi, je finis de manger. J'en profite que ce soit un peu plus tranquille ici. Je suis avec mon bolide qui ne change quasiment pas de vitesse, c'est une galère. Mais ça suffit à aller déjà beaucoup plus vite qu'à pied. La destination dans laquelle je veux aller, vous risquez d'avoir du vent là, désolé. Hein. Normalement il faut 4h, 4h30 à pied depuis le Airbnb. Et ça va pas mal monter. Oh, il y a des jolis coins, il y a des jolies forêts derrière moi là. L'objectif du jour, c'est d'aller voir le sommet du volcan. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est peut-être le seul jour qui me reste où il y a un minimum de ciel bleu, un petit peu de texture dans le ciel, donc peut-être pour avoir le soleil qui monte le bout de son nez à quelques moments. Et les autres jours, ça va être plus tranquille quand même s'il y a quand même pas mal de vélos à faire. Je vais pas mal souffrir, je pense. J'ai pris avec moi, bien évidemment, tout l'équipement nécessaire à la faisabilité de bonnes photos. En vrai, vous avez besoin juste d'un appareil photo compact. Hein. Ne prenez pas forcément avec vous un Hasselblad, un hybride, plus un argentique 35 mm. Deux autres objectifs, une lampe torche, batterie, c'est quand même pas mal. Les voitures, les Japonais, à chaque fois quand je passe, ils me regardent avec des gros yeux, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Première fois que je suis aussi proche d'un volcan en activité. J'ai pas vu grand-chose, hein, juste la fumée qui sortait du haut des montagnes. Ça donne envie. Oh là là, la forêt à la Harry Potter, là, les bois interdits. Interdite. Ouais, bah je vais continuer tranquillement, mais si j'arrive à monter en haut et si c'est pas fermé aussi, que suivant les gaz qui s'échappent du volcan, peu qui ferme la zone. J'ai très hâte de pouvoir m'y rendre et j'espère juste ne pas trop mourir parce que pour l'instant ça monte pas. J'ai l'impression que ça va monter d'un coup et je vais pas m'y attendre. Petite pause, 14h, j'ai encore quelques zigzags et après ça va être relativement tout droit, mais ça risque de monter beaucoup. Il y a un point de vue normalement qui est à 200 mètres plus loin, mais là j'étais éclaté. Pour pouvoir apprécier un petit peu la vue déjà et surtout reposer les jambes, le soleil qui est un peu caché derrière. Néanmoins, les nuages comme ça pourra faire quelque chose de texturé dans le ciel. Mais ouais, c'est très joli. Et les forêts qui sont autour sont magnifiques. C'est pas tout à fait pareil qu'en France. C'est un petit peu différent, les forêts qu'on... Alors, vu de dessus, on dirait pas, mais de l'intérieur, ça fait quand même différent. Et puis, bah moi, je vais repartir, là, d'ici une petite minute. Juste le temps de me relancer mes jambes correctement. Et ensuite, c'est parti. Je vois les bus passer, je me suis dit, des fois... J'aurais peut-être dû prendre le bus. Hein. Mais je vais être content de redescendre en vélo, ça va faire du bien. Et surtout, le repas de ce soir, on va le mériter, et pas qu'un peu. Bon allez, c'est reparti. Je suis à la station juste avant où il y a le parking, etc. Je pense que je vais continuer à pied, moi. Et c'est trop marrant. Dès que je suis rentré, il y a une voiture qui partait. Il y a une famille qui était dans la voiture. Il y a le père, la mère, la fille et le fils.
et ils se sont arrêtés à mon niveau. Ils ont commencé à me parler en japonais. Je leur ai dit que je parlais pas japonais. Je dis à chaque fois, je sais pas du tout si c'est la bonne phrase, mais je dis juste Nihongo wakarimasen. Je dis juste comme ça et puis ils comprennent. Et après, la switch en anglais, elle parlait assez bien anglais. Que la fille qui parlait, elle me demandait si je voyageais en vélo, etc. Je lui dis non, je viens de Takamamori pour faire des photos. Elle fait ah d'accord, trop bien et tout. On a continué à discuter pendant 2 minutes et après elle m'a demandé si je voulais les sandwichs avec les fruits à l'intérieur qui donnaient trop envie. Je lui ai dit oh c'est gentil mais merci, j'ai déjà dans le sac. J'ai pris que des chocolats et j'ai pas pris d'eau. Je suis débile. D'ailleurs je vais voir là-bas s'il y a pas peut-être de l'eau à l'intérieur pour pouvoir acheter, je pense. Ouais ça y est, des distributeurs. Et après on va vite continuer à aller au volcan. Les Japonais. Vraiment trop gentil. Quel plaisir. Oh là là. Il y a des moments, des fois, il faut savoir rester positif. Et actuellement, je pense que c'est le bon moment pour rester positif. J'ai monté tout ça en vélo. C'est pas si long que ça, mais c'est épuisant de chez épuisant. Le mec, là, à l'entrée de la montée, en fait, pour aller au cratère, on peut y aller que en voiture. Et j'ai essayé de lui demander pourquoi, de lui expliquer. J'ai cru comprendre que c'est à cause des gaz qui s'échappent. À mon avis, ça va être visible seulement en voiture. Il y a de quoi faire, je pense, des jolies photos aussi autour, là. Mais le volcan, ça ne sera sûrement pas pour aujourd'hui, je pense. Ah, oh, c'est dommage, ça a l'air joli. Il y a toute la fumée du volcan, là, qui sort. Il y a des bunkers anti-volcan, j'imagine. Mais peut-être 2-3 photos ici et là. On arrive quand même à avoir des photos. J'ai eu de la chance, là, derrière moi, vous pouvez le voir, il y a le soleil qui s'est levé, qui est sorti de quelques nuages, qui a montré le bout de son nez. Ça a lancé un éclairci sur toute la vallée. C'était magnifique. J'avais pas pris de vidéo, là, je me dépêche, parce qu'en fait, toute la fumée s'est dégagée. Ce qui fait qu'on a une belle vue maintenant sur le volcan. Donc certes, je vois pas le cratère, ça sent déjà le soufre, déjà un petit peu. Mais on peut voir quand même toute la fumée qui sort du volcan. Et je trouve ça toujours assez impressionnant de savoir que tout ça, c'est un volcan en activité là qui travaille sous nos pieds. Donc on va essayer de faire une photo juste du volcan. Là, j'ai peut-être un plan avec le pont qui est ici, qui peut donner un petit peu de contexte, de taille dans le verre. Oh, c'est magnifique. Regardez ça là, les nuages qu'on a. C'est pour ça que j'aime bien. Oh là. Ah mais d'accord, il y a le soleil, il y a déjà le sunset qui est enclenché là. Je sais pas si vous verrez bien, tout au fond il y a des petites lueurs orange. Et là, tout ce que vous voyez en face là-bas, toutes les montagnes, c'était éclairé par le soleil. C'est magnifique. Et tous les nuages là sont vite arrivés. Je suis arrivé au bon moment. Heureusement, j'ai envie de dire. J'espère juste que les photos sont nettes, parce que j'ai mis le trépied, mais j'ai pris des photos à F16 à 1/60. J'aurais peut-être dû m'assurer les 1/125 à F11, histoire d'être bien. Mais ça devrait le faire. J'étais sur le trépied et tout, j'ai pris mes précautions, ça devrait être joli. Plutôt content. J'ai réussi à tourner autour de la station un petit peu là, du camp, du poste. Déjà je suis très content de pouvoir faire des photos de paysage avec le Blad. Vous avez vu, je dis Blad. Je commence à être dans la commune argentique à fond là. J'ai hâte de voir les photos en vrai. Là pour le coup j'avais pris avec moi de la Gold Kodak Gold 200. Donc on va voir ce que ça va donner. Normalement la Gold 200 a une teinte un petit peu plus chaleureuse. J'ai pris ça en fait parce que j'avais vu sur Google Maps les alentours du volcan. Comme vous pouvez le voir, c'est très jaune-orange. Après le volcan qui est tout gris, hein, c'est que de la pierre, tout avec de la broussaille et tout. Je descends un petit peu sur la route, là il y a mon vélo qui est plus haut. Je vais juste rejoindre, j'ai pris une photo tout à l'heure avec mon réflexe de la route. Vous savez, c'est la photo un peu typique avec la bande jaune au milieu. Et en fait, la route qui est là-bas, elle donne une sacrée vue sur la montagne qui est derrière. Donc je vais me dépêcher un petit peu, qu'on ait encore un petit peu de la texture dans le ciel. Un jour je ferai Nouvelle-Zélande et un jour je ferai l'Islande. Il faut que ça se fasse un jour. Je peux pas manquer ça. Bon, j'arrive sur la route, je vais prendre mes photos moi. De belles photos, je pense. En espérant bien sûr que le scanner de l'avion n'a pas détruit la pellicule. J'imagine que ça devrait aller, c'était de la 200, donc ça devrait passer. Je dis ça pour m'assurer. Regardez les nuages du volcan avec les nuages du ciel comme ça qui sont éclairés derrière. C'est beau, la nature, aussi dangereux qu'elle puisse être. Le soleil est en train de se coucher rapidement maintenant. Je pense que je vais en profiter pour descendre à vélo. Parce que je n'ai pas de lumière sur mon vélo. Heureusement pour moi, j'ai récupéré mon petit panneau LED là. Et après, on va aller se trouver un restaurant, mais le volcan, ça aura été
l'objectif de la journée. Let's go, on prend le vélo et on va essayer d'aller se mettre au chaud pour manger un bout. Quelle journée. J'ai regardé sur Google Maps, j'ai à peu près 30 km de vélo. Bon, la descente était beaucoup plus facile. J'ai l'entrée qui est arrivée. C'est une espèce de soupe miso au bœuf. Enfin, il y a surtout du bœuf et de la soupe miso qui va avec. Après, j'ai un autre plat qui arrive. Dans un autre restaurant que Stefano m'avait recommandé, qui est spécialisé dans la viande du coin, donc du bœuf rouge. Et je vais en manger de bonne qualité, on va dire. Peut-être demain ou après-demain, je vais voir. Et il y avait aussi du cheval, du tartare de cheval entre autres. Chose qui se faisait en France à un moment et maintenant on n'entend presque plus parler. Je suis éclaté, vraiment éclaté. Ça fait penser à du bœuf bourguignon, un petit peu. Depuis que je suis arrivé ici, qui est totalement à la campagne, quasiment aucun étranger, je pense. Très honnêtement, je pense que je suis le seul étranger de toute la ville. C'est une ville de 6-7 000 habitants. Donc c'est vraiment pas grand, hein. C'est marrant parce que le restaurant d'hier et celui-ci, il m'a demandé si j'avais besoin d'une cuillère et d'une fourchette pour manger. Alors qu'à Tokyo et dans les autres villes, on m'a jamais demandé ça. Arigato. It's very hot, ok. Ok, ok. Ça a l'air bon. C'est très très chaud aussi. Là, ça revient à 2300 à peu près. Donc 17 euros, ça fait déjà pas mal. Hein. Baptiste, ça doit te faire penser à un plat en Asie du Sud-Est, je pense, au niveau de la présentation. Et après le reste, une bonne soupe miso encore, un petit peu de riz qui va bien remplir, et nous on va se régaler. C'est marrant, l'endroit où je suis, on dirait un peu un ranch, mais version japonaise. Il y a des tables où on peut se mettre... Ah mais si, j'allais dire un koupi, mais non, on peut mettre ses pieds dessous. La viande a dû refroidir un petit peu, ça a l'air d'aller là. C'est un peu saignant, juste comme il faut. Oh, c'est tendre. Avec la sauce, en plus avec la musique Mississippi à l'américaine, là. On va goûter cette soupe miso aussi, quand même. Oh, elle est bien remplie. Pas mal d'oignons. C'est des oignons ou des navets? Je sais pas. Moins de goût que hier, mais très très bon. Vidéo encore assez courte aujourd'hui, je pense. On a eu un petit objectif qu'on a rempli qu'à moitié. Malheureusement, le sommet, on l'aura pas fait. Donc voir un volcan, enfin le cratère, ça sera pour une autre fois. Néanmoins, je pense que j'ai des jolies photos à l'argentique. J'en ai pris quelques-unes au numérique, mais avec la seule blague, je pense que j'ai des trucs très sympas. Et je pense que je vais vous dire même au revoir dès maintenant. Comme ça, quand je rentre, je me douche. J'attaque la vidéo pour vous, pour que vous voyez demain. D'ailleurs, il faut que je partage la vidéo d'hier. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pensez bien à vous abonner, encore une fois. D'ailleurs, on est passé partenaire, je sais pas si je voulais dire, je me rappelle plus. Je suis passé partenaire YouTube, ça va me permettre de monétiser les vidéos. Il y aura maintenant des pubs, donc si vous en voulez pas, vous avez Adblock. J'espère juste que ça va me donner plus de visibilité, me proposer un peu plus aux autres. Aucune idée. Je pense pas honnêtement que ça va changer ma vie. Et moi je vous dis à demain pour la suite, encore une fois, de la nature de la campagne japonaise comme vous l'avez rarement vu. Donc à demain, c'est Antoine pour votre bien.